Yo les Foxy, c'est Lilfox, j'espère que vous allez tous très bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai décidé de faire comme vous m'avez demandé il y a déjà un bon moment et je me suis dit il est temps de la faire. Alors la première application s'appelle Photomat. Photomat, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de scanner vos calculs et qui va vous donner tout simplement le résultat. Donc en fait, quand vous installerez l'application, je tiens à dire aussi, tous les liens d'application sont dans la description pour iOS. Donc pour iPhone, mais après pour les Android, donc Samsung, etc. Vous cherchez l'application, essayez. En tout cas, voilà, ça c'est des applications pour iPhone, donc pour iOS. Donc en fait, Photomat, voilà, par exemple, vous faites un calcul 1 plus 1, vous prenez cette application, vous la lancez, etc. Vous mettez, en fait, il y aura une barre qui va s'afficher. Et en fait, il faut mettre le calcul dans la barre. Donc en gros, vous scannez et ça va vous donner le résultat. Et donc en fait vous pouvez essayer, dites-moi en commentaire si ça a bien fonctionné. Et donc essayez avec plusieurs calculs, moi j'ai essayé avec un plus un, vraiment avec tous les calculs différents. Et donc voilà, et en plus l'avantage avec ça c'est que en plus si c'est des calculs compliqués qui partent en division, enfin bref, qui partent en gros chiffres mais qu'il faut multiplier, qu'il faut diviser, soustraire, etc. Ça vous donne les étapes. Du calcul qu'il faut faire en plus, donc c'est vraiment génial comme application pour faire ces exercices de mathématiques vraiment très rapidement. Il y a peu de personnes qui connaissent cette application, mais je peux vous promettre qu'elle est vraiment géniale. On passe sur la deuxième application qui s'appelle Studio. Alors cette application, elle permet, en fait, c'est l'application pour pouvoir gérer sa chaîne YouTube, donc c'est un gestionnaire de vidéos. Où vous pouvez voir vos analytics, etc. Donc en gros, vraiment, vous pouvez tout voir avec cette application de votre chaîne YouTube. Donc évidemment, comment ça marche? Il faut connecter sa chaîne YouTube, avoir l'application et puis après, voilà, vous avez vos vidéos qui s'affichent, le nombre de vues qui se fait, enfin tous les 28 jours. Installez-la, connectez votre chaîne YouTube et vous verrez par vous-même. C'est vraiment juste génial et c'est comme ça que je peux mettre les miniatures, etc. Juste avec mon téléphone. On passe à la troisième application. Donc je redis, tous les liens pour les applications sont dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, Document, qu'est-ce que c'est comme application? Je vais vous dire tout simplement. Donc en fait, c'est une application qui permet de télécharger des vidéos YouTube, Facebook et peut-être Dailymotion. J'ai pas encore essayé. J'ai déjà téléchargé des vidéos YouTube et Facebook. Ça marche très bien. Alors, je vous ferai un tuto sur cette application, comment transférer, comment télécharger et mettre dans ses photos les vidéos qu'on veut télécharger, etc. C'est assez compliqué et il y a un site, etc. pour télécharger. Enfin, vous verrez, je vous ferai un tuto. Donc, si vous voulez télécharger des vidéos YouTube ou Facebook que vous aimez ou quoi, cette application est faite pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger. Vraiment. Moi je vous la recommande, hein. Moi ça me sert pour télécharger des YTP cool ou quoi. J'en ai déjà deux qui sont pas mal. Voilà. Donc ensuite on passe à l'application qui est à signer sur. C'est un signé en fait, c'est un abonné qui a fait une application. Parce qu'une véritable application, il faut payer. Ok. Une véritable application, il faut payer et l'abonné qui l'a fait n'a pas forcément envie de payer. Donc en fait c'est un signé. Donc ce que je vous invite à faire, c'est l'application NeedFox. Donc c'est App NeedFox. C'est le quatrième lien. Donc ça par contre, tout le monde peut y aller normalement. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez soit vous gardez le lien dans vos notes, etc. Soit vous mettez l'App NeedFox comme moi j'ai pu faire sur mon écran d'accueil. Voilà, je pense que vous voyez le renard là à côté du Facebook à gauche. Donc voilà, ça c'est l'app NeedFox et c'est vraiment super cool et vraiment c'est super sympa de la part de l'abonné qui l'a fait. Il l'a fait gratuitement et franchement c'est super cool. Regardez, il y a toutes mes vidéos, tous mes lives et tout qui sortent, etc. C'est super bien fait. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a plein de trucs, hein. Il y a vraiment plein plein de trucs. Pour devenir modo par exemple, vous voyez, si vous voulez devenir modo, là où il y a les petits couverts ici là. Là là mince là oh, punaise. Ici voilà pour devenir modérateur, vous voyez, voilà. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, votre pseudo, le sexe, enfin ça servait à rien, donc vous n'êtes pas obligé.
Fais voir si on fait ça. Ouais, homme ou femme, bah au pire, vous mettez, hein, vous mettez quand même. Date de naissance, voilà, description. Donc en gros, voilà, vous m'envoyez la demande et je vous répondrai. Donc voilà, pour ceux qui veulent passer modo, bah faites-moi une, en gros, un petit CV et puis voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent passer modérateur et mais il faut que je fasse un bon choix. Il me faut des modérateurs actifs. Donc voilà, il y a une page concours, etc. Enfin, c'est super bien fait. Il y a ma page Facebook et tout. Franchement, un gros merci aux développeurs. Et vous voyez, regardez, hein, c'est pas du fake, hein. Il y a la dernière, là, il y a la dernière photo que j'ai mis hier soir. Voilà, par rapport à mes 1500 abonnés. Donc merci déjà à vous tous. Donc voilà, n'hésitez pas à installer cette application si vous voulez suivre un peu l'actualité. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook, du coup, qui est Need Fox officiel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker. Donc, la cinquième application, c'est mon compteur d'abonnés en direct. Et donc, beaucoup de personnes m'ont dit, c'est quoi ton compteur d'abonnés en direct et tout? C'est quoi ton compteur d'abonnés en direct et tout, s'il te plaît, donne-moi. Donc ça s'appelle Vidéast. C'est dans la description pareil. Donc Vidéast, bah voilà, je vais vous montrer. Mais donc en fait, vous tapez le nom d'un youtubeur. Je vais prendre. Enfin moi j'ai déjà moi, j'ai NVD, etc. Bah regarde, on va prendre NVD. NVD, vous voyez, hop, j'ai cliqué sur NVD, tac. Voilà. On peut voir actuellement. Bah je vais vous montrer avec PewDiePie parce que lui il gagne, il en perd à chaque fois. Donc c'est une application vraiment super géniale. Et je vous la recommande à 100% quoi. Vous voyez, regardez, hein. Vous voyez par vous-même le nombre d'abonnés de PewDiePie en direct. Voilà. Donc voilà mon live account. Donc pour voir mes abonnés en direct, j'utilise ça sur mon téléphone. Donc voilà, c'est vraiment une superbe application et donc moi je vous la conseille quoi. Ensuite, Editor M, c'est l'application que j'utilise pour faire mes miniatures. Oui, on peut faire des miniatures depuis son téléphone. C'est une application que j'utilise pour faire des miniatures avec mon téléphone. Donc, soit je vais prendre des images sur internet et je les transforme à ma sauce après avec cette application. Soit je prends un screen, je me l'envoie sur mon compte NeedFox. Comme ça, je vais sur PlayStation, sur les messages, sur mon portable. Je fais un screen de l'image et après je la modifie. Donc voilà, ça c'est une application qui vous servira, pardon, qui vous servira à faire des miniatures si vous n'avez pas forcément de PC ou quoi. Et puis voilà. Donc les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo quand même. Quasiment 10 minutes de vidéo pour seulement 5 applications. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas vraiment à aller voir toutes ces applications si toutes ces applications vous intéressent. Je vous conseille fortement quand même l'application NeedFox, l'application Photomat et Studio. Donc voilà, donc en gros c'est les trois premières, c'est les quatre premières, les quatre premières, les quatre premiers liens de, je vous conseille en fait, je vous le conseille fortement. Bref, en tout cas les gars, c'était NeedFox, merci pour les 1500 abonnés, n'hésite, enfin merci beaucoup quoi. Donc bah, merci beaucoup et je me répète, mais bon voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo aussi, pourquoi pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine les Foxy, c'était NeedFox. Peace.